fait, on était une petite gang de jeunes tripeux de char. Puis on faisait tout le temps des petits rassemblements de 5, 6, une dizaine. Puis là, on s'est un peu fié à Québec qu'il y avait des rassemblements. Puis on s'est dit, regarde, on est capable de créer ça. De tous des adultes, des jeunes adultes. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va se trouver un emplacement, on va s'entourer de gens qui ont les ressources pour essayer de mettre ça en place. Puis c'est un petit peu parti comme ça, tranquillement. On a commencé à l'autre emplacement. Aujourd'hui, on est ici. Puis on est toute notre petite gang d'organisateurs qui permet de mettre ça en place, en fait. Okay, Félix, comme dit ton collègue, vous étiez avant au Factory. Vous êtes rendu où maintenant? À la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré. En arrière du musée? Yes, en arrière du cyclorama puis du musée. Et ce qui arrive, c'est ça, plein de jeunes sont ici. C'est à peu près combien de jeunes et combien d'automobiles vous pouvez avoir à chaque mardi soir? Bien, en fait, ça dépend vraiment de la température puis de la publicité qu'on fait, mais je pense qu'on est à peu près peut-être une centaine d'exposants. Il y a beaucoup de visiteurs, on les compte pas parce qu'on leur dit de se parquer ailleurs. Ils vont se parquer plus loin ou on essaie de garder vraiment les autos d'exposants dans le parking pour ceux qui viennent. Mais tu as une bonne centaine de véhicules puis plusieurs autres là, visiteurs. Là. On remplit le parking, on a des belles photos aussi sur notre site, qu'on a quand même beaucoup de monde. Là. Puis quel genre de véhicule qu'on va retrouver ici? Du sport, de l'antique, ça ressemble à quoi? Les deux vraiment mélangés, puis on accepte tout ce qui est véhicule un peu modifié, comme on peut dire, là. Antique, récent, n'importe quoi. Il n'y a pas d'inscription? Non. Non, c'est vraiment libre à tout le monde de venir, puis de se présenter, puis être exposé dans le fond. Tu parlais de moto aussi, les gens peuvent venir avec leur moto? Oui, ils peuvent venir aussi, on a une place pour eux un peu partout, puis... Donc, ça, c'est jusqu'à quel moment vous faites ça habituellement, les mardis? Nous, c'est ça, on suit vraiment la température. Fait que aussitôt qu'on commence aussitôt qu'il fait assez beau, puis on finit jusqu'à temps. L'année passée, je pense qu'on a terminé mi-octobre. Puis c'est ça aussi, comme Félix, là, j'ajouterais que nous autres, c'est ça, on n'a pas de limitation. À Québec, des fois, il y en a qui c'était plus des jeunes. Ici, on a tous les âges. On a autant des messieurs qui viennent avec leur vieille voiture que des jeunes avec leur première voiture même. Fait que nous, on n'a pas de critères vraiment, puis on est très ouvert. On a toute une même passion de véhicule. On essaie de faire vivre ça à tout le monde sur la côte de Beaupré. Puis il n'y en avait pas, fait que on est allé comme ça. Vous êtes content du résultat à date? Toujours, toujours plein de monde? Oui, bien, tu sais, on a de plus en plus à grossir. On a des nouvelles idées, des nouvelles activités qui vont s'en venir. On est vraiment content. Nous, on fait ça pour le plaisir. Là. On n'a rien d'autre que pour le plaisir. On fait ça pour la côte de Beaupré, pour avoir une activité. Fait qu'à date, on n'a rien à dire. Tout est super. Les policiers, vous n'avez pas de problème? Vous entendez avec eux que tout se passe bien, ça se tient ici? Oui, bien, dans le fond, les policiers, l'année passée, on les avait avertis. Puis là, cette année, on les a avertis aussi, mais dans le fond, eux autres, si quelqu'un qui s'énerve en sortant, ils vont l'arrêter automatique. Mais dans le parking, ils ne sont pas censés venir déranger ou arrêter quelqu'un. Ou... une collaboration qui est intéressante avec eux? Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Ici, c'est nous qui avons la responsabilité. Ouais, c'est ça. Fait que nous, les organisateurs, les six qui ont le gilet, ben, si quelqu'un fait du bruit ou ferait des traces, par exemple, ben, nous autres, on est là pour ça. C'est nous qui sommes responsables. Hors de la route, le monde font ce qu'ils veulent, mais la police peut les arrêter et sont avertis, là, comme toujours. Bien, messieurs, on va vous souhaiter encore de beaux mardis puis encore du beau soleil pour recevoir plein d'autos ici derrière le musée de Saint-Anne. Yes. Ah, ben, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye.